since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer. Bonjour à tous, ici Dago Dorwan. Aujourd'hui, on va tester une manette que j'ai achetée en lot de deux. Une manette de chez EasyMix. Payer les deux, le lot de deux manettes, 36 euros. Il me fallait une nouvelle manette pour mon PC. Je me suis dit, allez, pourquoi pas rechercher une autre des manettes qu'on peut jouer avec sur Android et PC, hein, faire les deux. En 2,4 GHz surtout, parce que les manettes Bluetooth, j'aime pas trop. Il y a toujours une latence et tout. Et les manettes en 2,4 GHz, donc c'est préférable, il y a beaucoup moins de latence déjà, c'est plus réactif. Et cette manette, bon, on va le découvrir ensemble, on va faire le déballage ici. Bon, sinon, je vais vous faire un petit tour de la boîte, mais c'est une boîte neutre, noire, il est écrit Easy SMX ici, donc c'est la marque apparemment. Moi j'ai acheté sur AliExpress, apparemment on trouve la marque sur Amazon, je l'ai vu après, mais bon, moi je l'ai eu, j'ai eu livraison rapide en même pas 10 jours, en 9 jours chez AliExpress, j'ai pas payé de supplément, rien du tout, en plus avec les réductions et tout ça, les manettes, les deux manettes, parce que j'en ai une là, étaient... Donc celle avec qui j'ai joué ici, autant tester la deuxième manette, parce que je l'ai même pas, c'est vrai que je l'ai même pas testé, ni je sais même pas si elle fonctionne. Donc ça c'est la chose. Mais je me suis dit, allez, le lot de 2, 36 euros, alors qu'une manette classique, en général, on est dans les 50, 60 euros pour une manette. Je dis ici, allez, elle a quand même bonne réputation. J'ai dit, allez, pourquoi pas découvrir et voir ce qu'on en disait, c'était bien. Donc on a la manette qui est bien présentée, hein, comme les manettes Xbox. On a un câble donc qui sera en micro USB, il n'y a pas de USB type C sur cette manette là. On a un remerciement, hein, de la boutique, hein, qui nous disent c'est pas bien, pas bien. Si c'est pas bien, on peut les contacter. On a un manuel, hein, donc on voit le modèle de la manette. Et un manuel vraiment complet et en français. J'ai bien aimé le manuel, il est bien fait. Donc c'est qualitatif, hein. C'est une marque quand même qui fait la qualité. Donc vous avez vu que la manette ressemble à une manette Xbox. À l'arrière, on va voir, elle est plus ergonomique quand même au niveau de la prise en main. Donc on voit que c'est une manette en 2,4 GHz. Donc jusqu'à 10 mètres. Donc c'est pour PC, smartphone, tablette, Android, PS3 aussi. Et moi aussi je l'utilise aussi, j'ai utilisé sur Recalbox, donc tout ce qui est Raspberry Pi, émulateur et bateau Serra, hein, si vous voulez aussi. Elle fait les vibrations, elle se recharge en 2 heures et temps de jeu 8 heures. Hein. Je peux confirmer que c'est on joue bien 8 heures sans problème, sans que ça se déconnecte, sans perte. Hein. Donc sans problème. Donc c'est 4,2 volts. On a une batterie interne de 550 mAh. Donc c'est du micro USB. Elle pèse 315 grammes et elle mesure 15,3 cm sur 10,6 sur 6,2. Sur les photos et tout, la manette, elle paraît moins jolie et on dirait un plastique brillant, neutre. Alors que ici, on a un plastique, je vous montre ici, avec une peinture métallisée comme ça. J'ai pas eu de griffe sur la manette que j'utilise depuis 3-4 mois ici. Le seul reproche que je peux vous dire ici que j'ai constaté, c'est les boutons ici, en caoutchouc. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais si on appuie trop en jeu... Elle peut rester un peu bloquée. Bon, c'est juste le seul reproche. On peut jouer aussi en filaire. Hein. La batterie est faible, il n'y en a plus de batterie, bah vous branchez par câble sur votre PC et vous pouvez continuer à jouer. Hein. Les gâchettes et tout, donc on a une bonne prise en main. Ici, on a du caoutchouc, comme vous voyez, sur le côté des manettes. Et ici, on a la forme qui prend bien la forme des doigts. Donc, quand je prends la manette, par exemple comme ça, voilà. On l'a bien en main, la manette. Et elle n'est pas lourde. Donc, 315 grammes, ça va, c'est léger. Les vibrations sont très précises.
tout vraiment, cette manette, elle est qualitative. Le USB dongle. Donc le USB dongle aussi est sympa. Donc en mode transparent comme ça. Et pour le transport et tout, c'est sympa. Ils nous ont mis le cache. Et c'est vrai que ce qui manque en général, on nous donne toujours le USB dongle comme ça, sans le petit capuchon. Et ça peut s'abîmer ou ça peut se plier hein, dans un bagage ou quoi. Les gens, ils oublient parfois, mais ici, on peut le plier et, s'il y a une trop de pression. Mais bon, c'est prévu ici. Il y a une petite lumière LED, on va le voir. Elle sera pas trop dérangeante. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur un téléphone d'abord. Et après, je vais vous montrer sur PC ce que ça donne. Allez, sur téléphone, il vous faut déjà un adaptateur hein, qui n'est pas vendu avec. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais pu le fournir, ça coûte pas très cher. Donc moi, j'ai un adaptateur ici en USB type C. Vous avez des adaptateurs avec ici vers USB, en micro USB aussi. Hein. J'en ai aussi. Donc on branche ça, voilà. On prend le USB dongle, on le branche également. Voilà, là on voit ça clignote parce que la manette n'est pas appairée. On prend la manette, on appuie, la manette va vibrer et voilà, on est connecté. Mais attention, si je laisse la manette comme ça, elle est connectée au téléphone bien sûr, mais elle fera pas ce qu'on veut par exemple en jeu. Il faudra rester appuyé pour changer de mode. Donc ça, c'est à vous de voir sur quel système vous êtes. Sur le téléphone. Et sinon, pour moi ici, pour mon téléphone, ce sera le troisième mode. Voilà. Donc le mode ici. Donc un petit jeu de la Game Boy Advance. Petit jeu que je joue en ce moment. Donc vous avez vu, c'est vraiment fonctionnel. Et de vous montrer toute la manette. Et vraiment, la manette, moi j'aime bien, elle est belle, elle est jolie. Elle existe en d'autres coloris, hein, un peu plus flashy, tout ça, des genres armées, militaires, et tout ça. Donc il y a des choses sympas qui font. Donc ça, moi, c'est le modèle ici avec rechargeable. Hein. Vous avez des modèles à pile aussi. Après, je sais pas si c'est la même qualité ou autre, mais moi, il me fallait. Avec batterie, j'ai trouvé ce modèle là qui me paraissait sympa et je suis agréablement surpris. Vous avez vu, c'est tout de suite réactif. Il n'y a pas de latence. Donc sur Android et tout ça, c'est approuvé, c'est fonctionnel. Il faut juste régler soi-même un petit peu, ce qui est un peu normal hein, pour les manettes multifonctions. Maintenant, on va regarder sur PC. Allez, sur PC, c'est pareil, on branche le USB dongle, pas besoin d'adaptateur, hein, branché directement sur votre PC. Ça clignote, vous prenez votre manette, donc le jeu il se lance ici, on appuie sur le bouton, la manette elle vibre, là elle est réglée bah, sur l'ancien réglage, hein, sur Android. On remet... Voilà. Elle s'est réappairée correctement en mode Windows. Voilà, les deux lumières sont allumées. Vous allez voir ça, hein, tout est bien expliqué dans le manuel, il est bien très très bien expliqué.
Donc je vous montre sur mon PC portable. D'habitude, je joue sur ma tour PC. Mais bon, j'ai aussi un PC portable gamer, donc il n'y a pas de problème. Elle est ergonomique, on la tient bien en main. Donc moi j'aime bien, comme je vous ai dit ici. Donc c'est vraiment très beau, la peinture et tout, style métallisé comme ça, c'est beau. Donc vraiment c'est une belle manette fonctionnelle. Le USB dongle, la lumière, donc je vous montre sur le PC. Le USB dongle, la lumière, elle flash pas, elle est pas trop puissante. En plus elle va ici avec mon PC. Mais sinon, vraiment, j'apprécie cette manette. C'est une belle surprise. Donc pour ceux qui ne veulent pas se ruiner en manette et pas acheter des manettes des grandes marques, hein, manettes Xbox, PlayStation, etc. Bon, bien sûr, ils ont d'autres caractéristiques, ils ont d'autres fonctionnalités. Mais en général, sur PC, tout ce qu'on demande à la manette, c'est que quand on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Une bonne ergonomie en main. Une bonne sensation des touches, donc on a besoin d'une bonne sensation des touches en main, et cette manette a vraiment tout ce qu'il faut. Vraiment pour ce prix là, je suis vraiment épaté. Vraiment EasySMX ici a fait du bon travail, donc pour le prix, moi j'en suis vraiment très content. Pour ceux qui cherchent des manettes sans se ruiner, je vais vous conseiller vraiment cette manette là. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan.